Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais découvrir un Metroidvania hyper beau, éclatant de couleurs. Il s'appelle Nine Years of Shadows, développé par Halbert Studios et édité par Freedom Games. Si je dis pas de bêtises, il est sorti récemment sur console, mais sinon sur PC, il est là depuis le 27 mars 2023. On va voir tout de suite ce que ça donne en termes de gameplay, c'est parti! À savoir que quand on commence le jeu, on est dans quelque chose de très monochrome. Hein. Je vous ai dit que c'est un jeu éclatant de couleurs et il le devient, en effet. Il le devient. On part vite fait. C'est très fluide. Ça, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je peux pas. Je sais pas ce qu'il faut. Une origine, un objectif hôte de civilisation ancienne, porteur de grands hôtels dont les puissantes tribus ont péri. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah! Un passage caché. Ça va me donner quoi? Très bien. J'ai ce qu'il faut là. Je peux pas détruire donc ça. Ah, un passage caché là aussi. Ok. Ouh, ah ouais. Et direct, hein. Il me laisse pas de répit. C'est tout de suite un boss, quoi. Bon, bah, on va courir. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Vite! Il y a une porte. Attends, j'ai entrevu un tout petit peu de couleur. Pas beaucoup. Ouh, c'est un monstre de couleur. Est-ce que tu peux me prêter un peu de ton éclat, là? Ah! Faut que je fasse gaffe. Oh là là! Oh là là! Non! Oula, qu'est-ce qu'il va me faire, là? Non! C'est dégueulasse! J'ai pas eu le temps! J'ai pas le choix, alors? Je suis obligée de mourir? C'est une obligation scénaristique? Ça s'est terminé si vite. Toutes ces années passées à m'entraîner, etc. J'avoue, hein, c'est dégueulasse. Comment ai-je pu penser que je ferais une différence? Ah, j'arrive pas à respirer. Ah ah! Voilà comment. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a de la couleur, là. Mais comment? RT. Waouh! Mes blessures sont guéries. Et la couleur est revenue. Qui es-tu? Tui! Apinon? Quel nom étrange pour un petit fantôme? Ah non, c'est un joli nom, il est juste un peu inhabituel. Ce n'est plus le cas, les titres de noblesse c'est du passé, je suis juste Europa maintenant. Et donc elle était peut-être une princesse ou quelque chose comme ça. Ok. Apinon procure un bouclier à Europa à chaque fois qu'elle est touchée, une partie de la barre de lumière est consumée. Quand la barre de lumière est complètement vide, maintenez RT pour faire un câlin à Apinon et en restaurer une partie. Ok. Il y a quelque chose à faire là, non? Pas du tout. Visez avec Apinon en pressant sur R pour verrouiller des cibles spécifiques et appuyez sur RT pour tirer. Ok. Chouette.
Voilà. On n'a pas que ça à faire, quoi, j'ai envie de dire. Il repop un peu trop vite. Attends, je vais voir quand même s'il n'y a pas quelque chose par là. Je suis déjà passée par là, je pense. Hein. C'est quoi, ça? Ouais, je suis... Comment je fais déjà pour lui faire un câlin? On a un autre bestiaire. Mais non, je vais d'abord voir la pièce cachée, là, et ensuite on verra par ici. Donc, oui, c'est vrai qu'il est très très beau le jeu, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Ah, c'est beau ça. Ça a rempli la barre déjà. Et ça m'a effectué une sauvegarde. Heureusement que j'ai décidé de revenir par ici. Alors par contre, on n'a pas de, de parade avec B, hein, comme j'ai l'habitude dans ce genre de jeu. C'est fou. J'ai rien du tout. Bon. Ils repop tous. Voilà, c'est parfait. Et bien. Voilà, et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut s'accroupir et attaquer comme ça. Mais pourquoi faire? Ah oui, parce qu'il il envoie des trucs. D'accord, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Rien pour l'instant. Peut-être qu'il y aura quelque chose plus tard. Alors, je veux juste vérifier quelque chose très rapidement dans les commandes. Donc, les commandes avec le contrôleur. Donc, dash arrière, oui, tir. On a vu. Mais je vois toujours pas comment je fais pour recharger en fait. Ouais, je sais pas. Pour recharger, il l'avait dit, je crois qu'il avait dit RT, mais. Ou LB, mais ça le fait pas. Ah non! Méchant! Attends, il y avait des choses par ici. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. I'll be back. Peut-être que je devrais faire en sorte que les tirs partent d'une certaine manière. Je ne sais pas. C'est pas impossible, hein. Voilà, les cristaux sombres, pareil, je sais pas du tout ce que ça fait. Ah oui, ça ouvre, ça a ouvert la porte. C'est bon, j'ai compris. Mais c'est vrai, pour infliger des dégâts supplémentaires. Mais, donc il faut faire d'abord une combo, et ensuite Y. Ouais, là, on va y aller doucement, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs à récupérer, du pognon. Bien ça. On aime ça le pognon. Ok. Parfait. Ah, j'arrive pas à faire des dégâts vers le bas. Ah mais attends, il a détruit le truc. Non, non, c'est pas lui. Faut juste que j'attende, quoi. On va attendre un tout petit peu. Voilà. On peut descendre, en effet. Ah, ça, c'est un boss. Un mini-boss, en tout cas. Hé ! Mais je l'ai eu.
Oula, Sonar, par contre, elle hésite pas à reprendre, quoi. Je crois que j'ai loupé des choses, quand même. En bas, il devait y avoir des trucs intéressants. Ah, il était en garde. C'est bon. On a eu. Là, c'est fermé. Hop. On a ouvert et on avance. Très fluide. J'aime ça hein, quand les jeux sont fluides comme ça, quand il s'agit de platformer. Donc LT pour un dash en arrière. Ouh, en arrière, pas devant. Je l'ai eu? Non, je suis morte. Oh non. Dommage, je me suis trop approchée, je pense. Hein. On va voir ce qui se passe. Donc, il m'amène où? Parce que ma dernière sauvegarde, c'était bien loin. Hein. Ouais, c'est bien loin. Ouais. C'est pas glop, ça. Je peux voir, par contre, la carte, si jamais. Bon, bah, ça nous permettra... Ah, peut-être que si je fais ça, bah non, ça n'a rien fait du tout. Faut peut-être une technique particulière. Voilà, récupérons tout. Avançons, vite fait, bien fait. Je sais pas si j'ai récupéré des points ou quoi, j'ai l'impression de les tuer plus vite. Par rapport à la map, un peu où je suis. Est-ce que j'ai essayé d'aller par là? Oui, j'ai essayé, mais il n'y avait rien du tout. Je trouvais ça un peu bizarre. Ça se trouve, il me faut quelque chose à activer ou j'en sais rien. Donc par rapport à la map, ouais, il faudrait que je monte, quoi. Je reprends un autre chemin d'origine. Et là, je suis presque sûre qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il faut que je l'envoie, en fait, en haut. Ouais, mais non. En fait, je peux pas le dévier pour l'instant. Bon, on verra. Oh ! Comme il a essayé de s'échapper, là. Voilà, c'est parfait. Ok. Les cristaux sombres ne peuvent être détruits qu'avec la lumière. Oui, j'ai vu ça. Et comme je viens de tomber, c'est moche. Ok. Voilà. Il n'y a pas de truc caché là? Non. Je pensais, mais non. Ok. Je vois un peu où je suis. Ouch. Ah, j'ai plus qu'un cœur, quoi. J'ai dépensé un peu trop de cœur là, j'avoue. Allez, vas-y, on l'a eu. Faut qu'on le tue. Voilà, parfait. Comme ça, on vient de récupérer aussi nos trucs. Alors là, on est où? Ok. Ah oui. Il fait mal, lui. C'est bon, je l'ai eu. Par contre, je suis pas passée par là. Et c'est vrai, peut-être qu'il va, il va me permettre de sauvegarder, lui. Mais je vais pas te tuer, calme-toi.
Il se cache, il fait partie d'un orchestre, un concert. Ah ouais? Où sont les autres? Je n'en sais rien. Lorsque la couleur est revenue, on est tous sortis pour profiter de la vue. Je vois. En tout cas, merci de m'avoir trouvé. J'essayais juste de repartir au théâtre, mais un gardien m'a attaqué sans raison. Tu sais quoi? T'as l'air coriace et bien plus courageuse que moi. Si tu t'occupes du cas de ce gardien, je te récompenserai. Oh, un marteau géant! Bon, bah donc j'ai pris une quête. Heureusement que finalement je suis entrée par ici. Mais il n'y a pas eu de sauvegarde là. Oula, attention. Et là, si je l'envoie... Non, ça fait rien là, il y a un truc. Il n'y a pas moyen de l'envoyer... Bon, ça sert à rien là, je pense. Je sais pas comment ça marche. Ouais, donc même si je l'envoie, ça fait rien du tout. Allez, il est en garde, mais on va s'en occuper. Hop, voilà. Et donc j'avais un autre méchant ici qui nous a tués. Ce qui est pas glope. Donc LT pour effectuer un dash en arrière. Ouh. Non! Mais pourquoi vers lui? Ouais, le dash en arrière n'est pas facile à gérer parce que moi j'ai l'habitude de faire attention à ma direction et là ça le veut pas. Donc le gardien, il faut absolument que je le tue et là j'y suis pas arrivée. Je suis déçue. On va aller vite fait. On va même pas tuer les créatures là, on n'a pas que ça à faire. Hop. Bon, certaines peut-être, mais pas toutes. Là, il y a quelque chose, là, oui. Vous avez vu comme c'est fou? Hop. Ah non! Voilà, hop. Parfait. Et là, c'est fait. L'autre, on s'en fout. Là, les deux, je suis obligée. Et là, par contre, on s'en fout. Et on avance. Il se baisse aussi. Je rêve. C'est pas gentil. Comme il vient de me mentir en fait. Voilà, on s'en va. Et qu'on n'est pas obligé de tuer tous les gars, mais en fait ça nous aide si on les tue, on récupère de la lumière. Ouais, lui je l'aime pas parce que j'ai du mal avec le fait de partir en arrière. Voilà, je l'ai eu enfin. Ce fut pas facile. Alors, on a une porte là. Il y a quelque chose à faire ici, non? Même pas. Là non plus. Ah oui, parce qu'il y a des trucs que je peux tuer seulement avec la lumière.
Mais j'ai pas le choix. Décidément. Ah, détruire la corruption rouge restaure notre barre de lumière. Ça, c'est super, ça. Il y a peut-être quelque chose de caché ici, non? C'est quoi la différence entre les deux zones? Ouais, il y en a qui sont... Ah oui, d'accord, il y a un truc là-bas. Je vais aller voir. Hop. Ni vu ni connu. Non seulement il y a un truc là-bas, il faut passer par là pour ouvrir la porte, quoi. On n'a pas le choix. Voilà. Youpi. Ah! Allez! Oh non, il m'a eu, c'est dégueulasse. Mais je crois que j'ai quand même eu le gardien que l'autre avait demandé, sauf s'il y en a un autre, encore pire. Je ne sais pas. C'est un peu dommage que les sauvegardes soient aussi loin. Ça me fait penser un petit peu à Hollow Knight sur ce coup. Hein. Je suis pas fan de la souffrance du chemin à parcourir d'un point de contrôle à un autre. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas super, ça. Ah non! Il a décidé de m'embêter, celui-là. Donc, bah attends, je suis passée par là, mais on n'a pas besoin de revenir ici, en vrai. Non, moi j'avais besoin d'aller par là. Hein. Et j'avais surtout. Hop! Besoin d'aller voir. Bah non, c'est pas par là, ok. Bestiaire mis à jour. Hop! Peut-être que je les tue, plus je. Plus j'arrive à les tuer vite par la suite. Hein. C'est ce que je me dis. Voilà, hop. Et il y avait un gars ici, pas lui là. Ouais. Bien sûr qu'il m'envoie ces trucs qui puent. Voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que j'ai tué le gardien ou pas du tout? Je dis pas qu'il faut que je reprenne la quête à chaque fois. Que je meurs quand même, ça doit pas être ça. Hein. C'est bizarre qu'il me refasse le truc. Attends. On avance. Hop hop hop. Parfait. Et comme je disais, il est pas gentil. Hein. Ouais, dès que je le touche en fait, je prends des dégâts. En fait, ça c'est pas top ça. Je suis pas pour, mais je comprends. Je pense que je vais en profiter pour m'arrêter ici, même si j'ai pas avancé énormément, bien sûr. Mais je dois avouer que c'est un jeu très agréable à jouer, très fluide et surtout très très beau. Vraiment une esthétique superbe. Il est sublime. Si vous aimez les Metroidvania, je pense que ça vaut le coup d'avoir un regard dessus. Après, en termes de gameplay, il faudrait avancer plus pour avoir une conclusion importante. Mais pour le coup, pour l'instant, je le trouve vraiment pas mal.
très fluide et très dynamique aussi en termes de gameplay. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, des bisous en pixels, ciao ciao.